la giga riche Tiffany a reçu un cadeau. Où est la future maman? Juste ici. Waouh, c'est pour moi? Oh. Tiffany, t'es enceinte toi aussi? Woohoo! Besties! Yay! Il est temps d'ouvrir les cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Une voiture pour un bébé riche. Elle a même une télécommande. Woohoo! Attends! Vous allez bientôt devenir parents. Wow! Les résultats disent que vous attendez 5 bébés. Combien? Mon dernier Lali Dollar. Oh, quel joli petit bout de chou. Venez par ici. Un bébé doré. Waouh, des paillettes. Dans sa couche. Prends des diadèmes. Mets-les sur leur tête. Les bébés riches vont naître d'un moment à l'autre. Où sont les bébés? Prêts à rencontrer votre maman? Comment vous allez? Oh, mes bébés! Docteur! Doucement! Oh, mon bébé donne des coups de pied. C'est trop à gérer à la fois. C'est l'heure! Qu'est-ce qui se passe? Waouh! J'espère que Miss Tiffany va bien. Du calme. C'est terminé. Notre petit miracle. Tiens, prends un billet. Félicitations, vous avez eu des jumeaux. Et voilà les 5 bébés de Tom et Chloé. Oh, ils sont adorables. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Qui va aider les mamans? Une robot nounou. Peins-le en argenté. Découpe un tablier. Mets-lui un chapeau. Elle s'entend vraiment bien avec les bébés. On va aller dans la chambre du bébé. Allume-la. T'as faim? Une couche propre? C'est quoi ton problème? Tu peux nous aider? J'ai vraiment besoin d'une pause. Qu'est-ce que je dois faire? La robot nounou est cassée. Il faut que je sauve Lucie. Le robot n'a pas réussi à accomplir sa tâche. On dirait bien que le bébé ne l'aime pas vraiment. Mais qu'est-ce qui pourrait la calmer? C'est l'heure de manger. Ça va peut-être marcher. Je suis toute seule maintenant? Réveille-toi. Bercer le bébé. Mission acceptée. Miam miam, un Kinder Joy. Utilise 5 moitiés. Recouvre-les de scotch. Fixe-les sur la base. On va avoir besoin de roues et d'un chariot. Fixe tout ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une sacrée poussette. Il est temps d'aller se promener. Mes petites poupées, c'est l'heure de faire la sieste. Je vais pouvoir lire en paix. Waouh, le vent souffle fort. Waouh, où sont mes bébés? Tiffany conduit comme une folle. Qu'est-ce que c'est? Waouh, une poussette! Je les ai! Les bébés sont sains et saufs. Chloé, je suis vraiment désolée. Piou! Tout est bien qui finit bien. Cette boîte va être utile. Découpe une partie du récipient. Recouvre le tout de peinture argentée. Verse des paillettes étincelantes à l'intérieur. Fixe une languette. Cette machine pour faire du lait maternisé dépanne beaucoup les jeunes mamans. Miranda est la maman dessous.
Cette famille a assez d'argent pour tout s'acheter. Le bébé est gâté. Et elle ne boit pas de lait normal. Allô? On a besoin d'une machine pour faire du lait maternel. Livraison! Waouh, c'était rapide! Super service! Regarde ce que j'ai là. Magnifique! Dès qu'on met un verre dans la machine, du lait coloré apparaît dedans. C'est prêt! Tu vas adorer! Son bébé se régale vraiment. C'est quoi cette magie? D'où elles sortent ces fleurs? Hihi! La maman super riche nage dans le luxe. Pas étonnant que même la salle de bain soit couverte de billets et de lingots d'or. Ma princesse s'est salie après sa promenade. Et notre chiot aussi d'ailleurs. Oh, je dois les laver. Bouge pas, je vais laver le chien. Oh, je suis débordée. Robbie, aide-moi. En une minute, il arrive à la rescousse. Comment je peux t'aider, Miss? Compris, je vais la laver et la calmer. Le robot apaisa immédiatement le bébé et la nettoya. Heureusement que je suis super riche et que je peux me permettre d'avoir un assistant aussi utile. Waouh, il y a tellement de choses! On va avoir besoin d'un récipient. Peins-le en marron. Prends de l'écorce. Couvre le récipient avec. Une vieille éponge fera office de matelas. Ajoute un peu de journal. Le bébé sera super à l'aise dedans. Peggy se rendit dans un nouveau supermarché. Oh, il y a tellement de choses! Je sais pas quoi choisir. Mais j'ai pas d'argent. J'entends les pleurs d'un bébé, mais ça vient d'où? Oh, je croyais que t'avais de la nourriture là-dedans. Pourquoi tu utilises un porte-bébé comme ça? Essaye ça, c'est beaucoup plus pratique. Notre cliente a l'air du même avis. Un bébé peut parfuser du lait. Hihi, c'est pour toi. Oh, ça lui plaît beaucoup. Merci, t'es vraiment sympa. Démonte une lampe comme ceci. Peins-la en argenté. Saupoudre des paillettes dessus. Il y a un matelas moelleux à l'intérieur. Et ces perles suspendues seront amusantes à regarder pour le bébé. Les gens riches pleurent aussi, surtout les enfants. Le bébé pleure depuis déjà 5 minutes. Chérie, calme-toi. Peut-être que t'es malade? Non, tout va bien. Tu veux jouer avec ton copain Olaf? Toujours pas? Oh, j'en peux plus de tout ce bruit! Comment je peux faire en sorte qu'elle s'arrête? La Lilou a la solution. Waouh, merci! Une balancelle! Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Allonge-toi, mon bébé. On appuie sur le bouton et ça va te bercer pour t'endormir. Ah, et je peux enfin prendre une tasse de café. Prends les roues d'une vieille voiture. Installe une boîte dorée dessus. Un peu de magie et la poussette est maintenant montée sur des brochettes. Ajoute une canopée en dentelle et une planche pour y poser des accessoires. Magnifique. Le matelas doit être en or aussi. Un mobile en forme de lune avec des pendentifs distraira le bébé. Joins un gros strass avec un embout métallique et une perle. Une télécommande pour contrôler la poussette est prête. Stacy et sa fille faisaient un pique-nique. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Construire des maisons en billets, ça peut être marrant. Plus il y a d'argent, mieux c'est. Robbie, on a besoin d'un endroit confortable où se reposer. L'assistant apporta une poussette unique avec une télécommande. Le bébé dormait. Et la maman se détendait sur le canapé. Je peux diriger ma fille dans sa poussette et discuter avec ma copine en même temps. Hey, comment tu vas? Waouh, il y a tellement d'éléments de déco. On va avoir besoin d'une fleur. Et il y a un nouveau cadran au milieu. Fixe la montre sur le bracelet. Cette montre connectée, combinée à un pendentif connecté, sera super utile pour les mamans qui ont des enfants actifs. La copine super riche de Miranda est venue la voir. Stacy, salut! Ça fait une éternité que je voulais te rendre visite. Évidemment, je suis pas venue les mains vides. T'as entendu parler de cette nouvelle montre connectée avec son pendentif? Amuse-toi bien avec. Ouah, je rêvais trop d'avoir ça, j'adore! On va fêter ça avec un verre. Pendant que les mamans discutaient, leurs enfants décidèrent d'aller se cacher.
Oh, ils sont passés où? Oh, je suis inquiète. Oh. Attends, t'as une montre connectée. On va les trouver tout de suite. Un seul appel suffit pour retrouver les bébés. Les enfants étaient à nouveau avec leur maman. Tout ça grâce au cadeau de Stacy. Croise des brochettes en bois. Peins le bois en rose. Cueille quelques fleurs. Maintenant, cette balançoire sans la verdure. Prends un siège et un dossier pour faire un fauteuil. Ce fil de fer empêchera le bébé de tomber. Chaque fauteuil est suspendu à des cordes épaisses. On va pouvoir s'amuser. Chérie, regarde ces belles balançoires! Fais un petit tour. Maman va faire une pause. Le robot vit que le bébé avait besoin d'aide. Il accrocha une chaîne avec des diamants au siège et tira le bébé avec. Le bébé pleurait, mais maintenant il est content. Puis Miranda arriva. Mon bébé aussi veut faire de la balançoire. J'ai pas le temps pour ça, mais j'ai de l'argent. La nounou va pouvoir s'en occuper et aura une belle récompense. Et voici Peggy. La maman balançait sa fille elle-même. Elle est un peu fatiguée, mais sa fille se sent aimée et toute l'attention est sur elle. Les trois mamans étaient devenues copines. Quand on parle de ses enfants, on n'a pas besoin d'étaler sa richesse. Car être mère, ça n'a pas de prix. Elle, poney, tu vas aller avec la Lilou. Retire ses habits. Attache des mèches de cheveux. Décore sa crinière avec une fleur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des roues. Quel merveilleux jouet pour une petite fille riche. La nounou garde la riche Missy. Tiens ton poney préféré. Non? Pourquoi pas une sirène alors? Tous ces jouets! Mais la petite n'en aime aucun. Pleure pas! Voilà ton papa. Viens par ici ma chérie. Regarde ce que je t'ai apporté. Je crois que je dois appuyer sur ce bouton. Le bébé fait le tour de la pièce sur son poney. Elle est trop contente. Ses parents sont ravis que leur fille s'amuse enfin. Une bouteille. Peins là. Utilise du papier craft. Fais du papier mâché. Fabrique un socle avec des brochettes en bois. C'est le mieux que notre famille Fauché peut se permettre. Suzy la Fauché s'occupe du jardin. Tout ce travail! Oh là là, ma chérie! C'est l'heure d'aller dormir. Il te faut un berceau. Repose-toi, ma petite. Et maman va continuer à nettoyer le jardin. Quoi, chérie? Tu t'ennuies? Il te faut des jouets. Beau travail! Maman a fait un hochet. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'on va créer avec ce bout de carton? Un autre petit détail de plus. Ajoute un couvercle. Peins la guitare. Prends d'autres matériaux. Du fil servira de corde. Hé, les abonnés, vous en pensez quoi? Qui va jouer de la guitare? Suzy gagne sa vie en faisant des spectacles de rue. T'as une voix merveilleuse. Son chapeau se remplit de billets au fur et à mesure. Oh non, le vent! Tous les billets s'envolent. Même sa poussette avec le bébé a été emportée par le vent. Oh non, Steffi! Le bébé est sauvé. Mais la guitare est cassée. Bébé, ça va? Écartez-vous! L'ambulance a amené notre Suzy blessée. Qu'est-ce qui va se passer? Ils emmènent la patiente à l'hôpital.
Il faut vite lui faire un plâtre pour tout le corps. Prends des lingettes. Fais-les sécher. Coupe-les en bandes. Enveloppe tout le corps de Suzy la fauchée dedans. En route pour le service. Michel et Rachel sont venus rendre visite à la jeune fille fauchée. Bonjour, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas possible! Oh non! Docteur, c'est une erreur! Mesdames, votre copine est là. Les mamans sont entrées dans la pièce pour voir Suzy. Oh, mon bébé! Je suis tellement désolée, ma chérie. Allô? Ouais, on est à l'hôpital. La nounou lui apporta une nouvelle guitare. Elle est parfaite! Cet accident a finalement rapproché nos mamans. Un distributeur Lalilou. J'ai besoin de retirer de l'argent. Merci, ce sera utile. On a énormément de liasses. Dispose-les en rangée. Waouh, c'est génial! Un matelas de billets. Les mamans sont venues rendre visite à Michel, la maman giga riche. Joue avec les filles, ma chérie. J'ai apporté le thé. Mais le ballon lui tapa directement sur les pieds. Courez! Le robot a apporté un matelas de billets. La piscine, c'est un super endroit pour s'amuser. Allez sur le matelas, ce sera plus sûr. Nos filles peuvent maintenant se baigner. Les enfants sont trop contents. Quelle pièce on va prendre? Assemble le volant. Ajoute des perles autour. Une coque. Couvre-la avec du papier mousse. Installe le mât et le voile. Waouh, un voilier! Ajoute une pierre précieuse. Et si on allait faire un tour en mer? Notre famille giga riche se détend sur la plage. Maman, je veux rentrer à la maison. Nounou a un cadeau pour toi. Waouh, un mini voilier rien que pour elle. C'est moi le capitaine. La maman envoya son enfant au large. Oh non, un requin. Notre fille est en danger. Maman, au secours. Maman, j'arrive. La nounou robot se précipita dans l'eau. Le bébé est sauvé. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Tout est bien qui finit bien. Une mandarine. Le filet sera utile. Retire le couvercle. Oh, une Pokéball. Change sa couleur. Enroule du fil de fer autour. Torsade le socle. La structure est solide. Ajoute d'autres éléments de déco. Qui veut faire un tour? Notre famille riche fait un pique-nique. Où est ma petite fille? Je suis là, papa. Regarde, c'est pour toi. Une montgolfière. Tu veux faire un tour? Oui, oui. C'est incroyable. Ça te plaît, ma chérie? Mais un vent fort se leva. Oh non! Papa essaie de rattraper la montgolfière. Il a réussi. La petite a de nouveau les pieds sur terre. On a eu de la chance. On devrait plutôt faire une partie de badminton. Lalilou, je veux des vacances. D'accord, prends un ballon. Dessine un cercle. Utilise de la ficelle. Et voilà. Nice. Coud un maillot de bain. Resserre-le. Ajuste-le sur la poupée. Wow. Ajoute une jupette. Fais des traces de pastel. C'est la tenue parfaite pour la plage. Les filles, j'ai une grande nouvelle. J'ai gagné de l'argent. Waouh! Comment on va le dépenser? On va partir en vacances. Let's go. Waouh, la plage! Viens par ici. Waouh, un palmier! Je vais grimper dessus. Maintenant, je vais sauter. Écarte-toi. Youpi!
trop cool! Qu'est-ce que c'est? Hein? On va le prendre avec nous. Prends un Kinder Joy. Fais un trou. Prends un skate. Enlève les roues. Ajoute des ailes. Installe la queue. Sculpte la pâte à modeler. Peins-le en argenté. Applique des paillettes au pinceau. Un avion pour enfants pour la giga-riche Lily. On s'envole! On a des invités! Waouh! Margot et Lily sont arrivés pour les vacances. C'est un atterrissage parfait. Une île! Où est-ce qu'on peut s'allonger? Tiens, ta chaise longue. Ah, super! Un cocktail rafraîchissant. Thank you! Trop cool! Oh, les jumelles! Coucou! Waouh! Lily! Trop bien ton avion! Oh, j'entends pas bien! Waouh, un château de sable! Hey! On va faire une fenêtre, comme ça! Un gâteau de sable! Les filles, je vais venir avec vous! Je m'envole! Attention! Oh oh! Trop marrant! Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as détruit le château! Sorry! On va en construire un autre! Ok! Au travail! Oh, c'est trop dur! Pleure pas, ma chérie! Vous voulez jouer au ballon? Hein? Youpi! Attrapé! Aouh! Agrandis la boule. Ramollis la pâte à modeler. Choisis un cutter. Presse la pâte avec un outil de modelage. Prends un pop-tube. Ajoute une tête. Et une corne. Utilise un soleil en plastique. Ce sera parfait pour nos filoutes. Attrape! Oh non! Le ballon s'est envolé. Allez le chercher! On en reparlera à mon retour. Oh! Une boisson rafraîchissante? Merci! À l'aide! C'est trop calme! Où sont les filles? Oh non! Maman! Lily! Je m'en occupe. J'appelle les urgences. Allô, les urgences? Venez vite, on a besoin d'aide! Oh my gosh! Dépêchez-vous! Comment ça va? On a eu peur! Ne vous inquiétez pas, maman est là. On va nager jusqu'au rivage. Les filles vont bien! Tu es tellement courageuse! Oh, vous avez rien! Les petites sont saines et sauves. C'est le moment de jouer! C'est qui le plus rapide? Je veux un jouet! Moi aussi! Courez! Donne-le-moi! Pas question! À moi! Chacun son tour? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne pouvez pas vous partager l'ours en peluche? J'ai une idée! Et si on l'a cassé? Doit y avoir des pièces! Secoue-la, maman! On dirait qu'elle est vide! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais! Je vais en coudre un moi-même! Je prends une bobine. J'ai choisi du tissu. Là, Lilou, tu peux m'aider? Ok. Coule le tissu à la machine. C'est pas si difficile. On le remplit de rembourrage. Great job. Prends une pelote de laine. Compte les jouets. 1, 2, 3, 4. C'est exact. Pour mes filles. Moi d'abord. Non, moi. Vous inquiétez pas, il y en a assez pour tout le monde. Jouez. Thanks. Maman a fait du bon travail. C'est l'heure d'aller au lit. Fais de beaux rêves. On va peigner les cheveux de ma poupée. Mange. Encore une bouchée. Oh, comme c'est adorable. Je vais mettre le lapin sous la couverture. Et une histoire pour dormir. Votre préférée, celle sur la princesse. On a les ventres qui gargouillent. Oui, je me souviens. Comme convenu. Hey! Maman, on a faim. Please. Prends le téléphone et me dérange pas. Ok. Votre pizza, mesdames. Bon appétit. Waouh, merci. J'aime pas les tomates. What? Bataille de tomates. Tu t'enfuiras pas. No! Waouh. Planifie la réunion.
Je suis occupée cet après-midi. Ce sera mieux ce soir. Mange ça. Désolée, c'était pas pour toi. Hé, hey, on est là. Surveillez le bébé. Please. Oh. Trop chou. Comment on pourrait la satisfaire? T'as pas trop chaud? Tu veux t'asseoir là? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle chaise on devrait choisir pour le bébé? 1, 2, 3. Je veux celle-là. Voilà qui est mieux. J'ai faim! Des desserts pour la petite princesse? Ou une salade? Pourquoi pas du poulet? Non. Je veux du lait. Tiens. Coupe la boîte avec un cutter. Tiens, l'aluminium pour les confettis. Thanks. Verse-les à l'intérieur. Choisis du papier crépon. Recouvre-le de colle chaude. C'est parfait pour une fête d'enfants. C'est l'anniversaire des petites filles. Un burger. Votre préféré. On a des invités? Bonjour tout le monde. Voilà vos cadeaux. Félicitations. Quelle surprise! On va les ouvrir ensemble. Ok. Y a quoi à l'intérieur? Une licorne. Et c'est pas tout. Trop joli. Où est la batte? Attention! Allez, vas-y! Oui! Une pluie de billets et de confettis. Oui, on est riche maintenant! Tiens, ton certificat. Merci beaucoup. Marie, bienvenue à l'atelier de Lalilou. J'ai l'habitude des choses luxueuses. Les créateurs ont confectionné une jupe tendance pour Marie. Complète son look avec de superbes cheveux roses. C'est un jour ordinaire à l'école. Les élèves plaisantent et se racontent leur vie au téléphone. Hé, hey, t'as vu le nouvel uniforme? Salut les gars, regardez ce que j'ai. Comment vous trouvez mon nouveau sac à main? Il est de la dernière collection. Ouais, plutôt cool. Il est couvert de cristaux Swarovski, comme ma jupe. Tu l'as fait toi-même? Mais bien sûr que non, je l'ai acheté. Pourquoi je le ferais moi-même alors que j'ai de l'argent? Ah, j'ai failli me casser la jambe! Laisse-moi t'aider. Tiens, prends-en. Merci, mais j'en ai pas besoin. Bizarre, comment ça se fait que personne s'intéresse à mon argent? Bonjour, je m'appelle Rachel. Fais-lui une robe simple avec des sachets. Essaye! On a fait un haut avec un morceau de toile de jute. Enroule de la ficelle. On a de jolies boucles d'oreilles. Je suis super mimi, non? Rachel n'a pas beaucoup d'argent. Mais tout le monde à l'école veut être ami avec elle. Ah, salut Rachel! Waouh, tes boucles d'oreilles sont trop cool! Tu les as faites toi-même? Waouh! Viens, on prend un selfie! Un garçon passé par là. Oh, il est tout de suite tombé amoureux. Oh, quelle fille incroyable! Viens à la cafette avec moi. Non, elle vient avec moi, les filles! Je suis copine avec tout le monde. On va y aller ensemble. Ok, cool! Prends les images imprimées dans Lalipad. Colle-les sur du carton épais. Ce Lalipad est un modèle unique pour les clients les plus riches. Lui, c'est le prof le plus ennuyeux de l'école. C'est tellement facile de s'endormir à son bureau avec le son de sa voix. Les résultats au test sont vraiment pas bons. Votre classe est à nouveau une des pires de l'école. Mais la plupart des élèves dorment déjà. Et Marie avait décidé de jouer à un jeu sur son Lalipad. Jeune fille, tu ne te soucies pas de tes mauvaises notes? Ouais, non, pas vraiment. Donne-moi ce jouet. Je vais voir à quoi jouent les jeunes de nos jours. Waouh, c'est plutôt sympa!
On dirait qu'il joue à ton jeu. Ouais, j'ai passé le niveau. Allez, je donne de bonnes notes à tout le monde. Grâce à Marie, on a réussi le test. T'es trop cool.